Tu sais. Bonjour, Tom. Bonjour, monsieur. Comment va, John? Heureux de vous voir. Vraiment? Ah, j'aurais aimé naître cheval. Cheval? Vous auriez dû en parler à votre mère, mais elle était française, n'est-ce pas? Elle n'aurait pas compris. Merci, Edward. Bonjour, Peter. Bonjour, Sir Edward. Mais dites-moi, John, pourquoi un rendez-vous de si bon matin? Vous voulez que j'édite vos mémoires, 30 ans dans les services secrets de Sa Majesté? Il y a tellement de scandales que j'ai bien peur que mes mémoires n'intéressent personne. Non, j'aimerais que vous repreniez du service, Edward. Nous avons un problème avec le Yémen. Ils nous ont prêté un manuscrit original du colonel Lawrence, oui. Lawrence d'Arabie lui-même. Une pièce unique, un texte imprimé en 1932 et annoté de sa main. Et vous l'avez perdu? Non, pas du tout. Si on l'avait perdu, on pourrait le retrouver, voyons. Il a fini en confetti dans le broyeur après le passage d'une femme de ménage trop zélée. Tout ce qu'il nous en reste, c'est une vulgaire photocopie. Caramba 2 l'a emporté à Longchamp. Oh. Edouard. Oh, pardon, Sir Edouard. Écoutez-moi, Edouard. Oui, John. Installez-vous dans mon bureau. Je vous rejoins tout de suite. Bien. Bonjour, Doris. Quel tailleur magnifique. Savez-vous pourquoi j'aime porter des couleurs vives au travail? Ça vient de vos ancêtres écossais? Non. C'est ma façon de lutter contre cette morosité qui me saisit chaque matin quand je pénètre dans les locaux poussiéreux des éditions Turner. Bien. Qu'y a-t-il au menu? Voyons, après votre rendez-vous avec John Rathbone, vous avez une réunion avec les représentants pour parler du livre de Reggie Bennett. Et ce sera tout pour ce matin. Oh, j'ai failli oublier. Nicolas Fabry a téléphoné. Il avait l'air... Voyons, comment dire... Il était extrêmement surexcité. Ah, malgré leurs nombreux défauts, les Français ont la gauloise. Me voilà. Alors, où en étions-nous? Ah oui. Lawrence d'Arabie. Non, John, c'est hors de question. J'ai passé l'âge de jouer les faussaires. Essayez d'imaginer un faux qui est si faux qu'il en est vrai. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus excitant pour un faussaire, Edward? Et nous savons tous deux que vous êtes un faussaire né. Inutile d'insister. La réponse est non. Très bien. Très bien. À votre avis, le vieux Basil Nicol peut me faire un travail honnête? Il connaît l'arabe maintenant. Allons, John. Basil Nicol est tout juste capable de contrefaire un billet de Monopoly. Non, oh, vous exagérez, Edward. Il peut faire du bon boulot. Bien entendu, son travail n'est pas comparable au vôtre. Vous voyez bien que ce n'est pas si confidentiel. Non, non, laissez, Doris. Vous connaissez Nicolas Fabry. Ce n'est pas le genre à respecter les usages. Je ne respecte que le droit de l'auteur. Il veut dire les droits d'auteur. John Rathbone, Nicolas Fabry. Vous m'avez lu? Je ne lis que les classiques. Ça se voit à votre cravate. Cambridge. Mais bien sûr, ça ne s'achète pas. Même avec des droits d'auteur. Je vous laisse, Edward. Que se passe-t-il? Tu as été reçu à l'Académie française. Il faut que tu lises mon dernier manuscrit. Bien sûr que je vais le lire. Et que je vais le traduire en anglais, comme d'habitude. Non, tu ne comprends pas. C'est important. Bien sûr que c'est important. Mais même si c'est un best-seller, et s'il est dans toutes les librairies du Commonwealth, il n'y a pas de quoi s'en prendre à la cravate de mon vieil ami John Rathbone. Écoute-moi, j'ai besoin de ton avis. Je crois que j'ai écrit un beau roman. Mon roman. Mon roman? C'est bien l'adjectif possessif. Lis-le, tu verras. Il faut aimer. Tu parles d'amour, toi? Avec de vrais personnages qui s'aiment vraiment avec de vraies émotions. C'est autre chose. C'est personnel. Lis-le, je t'en prie, fais ça pour moi. On pourrait en parler après le week-end, si tu veux, d'accord? D'accord. Lundi? Lundi?
Tunis, 1960. Tu vas voir, je vais te surprendre. Superbe chapeau. Oh, Sir Edward, vous ne m'avez même pas regardé. C'est ce que je disais. Splendide. Et si je peux me permettre, vous avez une mine épouvantable. C'est vrai, j'ai besoin de vacances. Mais si j'avais déjà... Je m'en occupe. Un café bien noir. Un café bien noir. Est-ce que je vous ai dit tout récemment que vous étiez une sainte, Doris? Récemment? Non, je ne crois pas, non? Oh, mais vous m'avez comparé à Kim Basinger la semaine dernière et à Julia Roberts en juillet. Je l'ai même écrit dans mon journal. Voulez-vous vérifier si cette dame habite toujours à cette adresse et envoyez-lui ceci. Yasmina Sadek. Ah, Doris, dites à Henri de venir. Je dois lui parler à propos de Nicolas Fabry et de son roman. Il est réussi. Oui? Oui, je l'ai lu. Pourquoi ne viens-tu pas aujourd'hui déjeuner au cottage? Nous en parlerons. À 13h. À tout à l'heure. Tu m'as étonné. Et mieux encore, tu m'as bouleversé. Tu as su parler d'amour avec une grâce exceptionnelle. Tu viens d'écrire un bouquin remarquable. Et c'est à bien des égards un des plus beaux romans que j'ai eu entre les mains ces dernières années. Tu as su recréer le Tunis que j'ai connu d'une manière admirable. Et tu n'y as séjourné que quelques mois. Oh, c'est vraiment très fort. Continue, continue, dis-moi en plus, j'adore les compliments. Encore plus?
Je n'ai rien de plus à dire. Sinon que tout est réussi dans ton livre. Je dis bien tout. Et jusqu'à ce personnage, cette jeune Tunisienne, elle est tellement émouvante. Mais entre nous, je me demandais, cette jeune femme est un personnage purement fictif ou tu t'es inspiré de quelqu'un que tu as connu là-bas? Quelle importance. Les personnages d'un bon roman ne font que passer. Ils ne servent qu'un destin, celui du livre. C'est ta définition d'un bon roman? Mais elle en vaut bien une autre. Je t'en propose une autre. Une vraie définition d'éditeur. Un bon roman, c'est une bombe à retardement. Et dis-toi bien qu'elle finit toujours par t'exploser au visage, que ce soit un succès ou un flop. Édouard, je veux changer d'éditeur à Paris. Tu quittes Bérard? C'est ton éditeur depuis plus de 20 ans. Je ne lui dois rien. Donne mon livre à Récamier, tu le connais. Puis tu le dis toi-même, c'est un livre différent. Et j'ai d'autres ambitions. Un prix? C'est très possible. Dis-moi, c'est la première fois que tu m'invites chez toi. J'attendais une grande occasion. J'ai besoin de quelques signatures. Je vais décrocher pendant quelques jours, Doris. Vous vous débrouillerez sans moi? Oh, je pense que oui. Vous avez changé de parfum. Oui, c'est vrai, sous la doigt. Très exotique et puissant. Un subtil mélange de patchouli et de clou de girofle, avec peut-être un zeste de gaz moutarde. Employé à des fins militaires, votre parfum serait des plus redoutables, Doris. Je saurai m'en souvenir, sœur Edward. Ce sera tout. Avez-vous envoyé les photocopies à Yasmina Sadek? Oui, elle habite toujours Tunis et le paquet est parti avant-hier. Ah. C'est votre premier voyage en Tunisie, monsieur? Non, j'ai vécu ici. Il y a bien longtemps. Cela fait combien d'années? Trop, Yasmina. Beaucoup trop d'années. Je n'aurais jamais dû rentrer en Angleterre. Je lui suis toujours resté fidèle. Je n'ai plus jamais aimé. Et je n'ai plus jamais écrit une seule ligne. Tu ne sais pas à quel point je l'ai aimé. Moi, je sais combien Farida t'aimait. Mais tu as lu le manuscrit, pourtant. C'est leur histoire, à Nicolas et à elle. Mais c'est faux, c'est entièrement faux. Mais il parle bien d'elle. Ça ne fait pas le moindre doute. J'ai tout compris, mais 30 ans après. Nous n'avons jamais su qui avait violé ma sœur. Mais dans ce manuscrit, tout concorde, les lieux, l'époque. Il l'a violée. Et elle s'est suicidée. Ce n'est pas une histoire d'amour, Édouard. C'est un crime. Mais ce viol, personne ne l'a su à l'époque. Personne n'en a parlé, personne. Mais nous ne sommes pas en Angleterre, Édouard. Il y a des choses qu'on n'avoue jamais. Farida n'a jamais aimé que toi. C'est Farida. Ma fille.
Tu lui ressembles, je sais. Il faut pas avoir peur des fantômes, sœur Edouard. Moi, je suis vivante. Bien vivante. Moi aussi, j'ai des choses à vous dire. Vous venez? Vous le voyez, le temps s'est arrêté. Rien n'a changé dans sa chambre. Votre revue, Les Lettres d'Orient. Je connais les 7 numéros par cœur. Votre roman, Désert. Jamais lu, jamais publié. Vous devriez avoir honte. Et comment vous avez pu tout abandonner comme ça? Vous ne pouvez pas savoir combien d'heures j'ai passé à vous regarder. Cet homme n'existe plus. Nicolas Fabry. Si je ne m'abuse, ce jour, il n'a écrit que des romans d'action, la recette des 3 S, du sang, du sexe et surtout pas de sentiments. Cela dit, il se vend bien. Très bien, même. Lisez. Vous serez surpris. Si c'est vous qui le dites. Vous me donnez combien de temps? Si j'étais vous, je réglerais cela dans les 48 heures. Enfin, si vous voulez le sortir avant la grande bataille littéraire du mois de novembre. Vous êtes sérieux? Ça peut décrocher un prix, Nicolas Fabry? Edward Lamb en personne. Ça alors? Mais c'est Nancy Pickford. Je vous dépose quelque part? J'ai un train à la gare du Nord. Ah, oh, très bien, montez, c'est sur mon chemin. Que faites-vous à Paris? Vous êtes venu faire le plein? Vous faites le tour des éditeurs français pour alimenter vos potins? Mon rédacteur en chef appelle ça de la critique littéraire. Et mes lecteurs lui donnent raison. Et vous, vous sortez de chez Récami et je suis sûre que vous préparez un coup avec lui. C'est vrai, je lui ai remis un manuscrit à lire, écrit par une personne que vous avez bien connue dans le passé et qu'aujourd'hui, vous n'aimez plus beaucoup. Moi, j'ai aimé quelqu'un. Mais vous savez bien que je suis la femme la plus froide du monde. Une critique féroce attachée à détruire les gloires littéraires. Allez, c'est qui? Nicolas Fabry. Nicolas Fabry. Ce n'est pas possible, il ne sait pas écrire. Je reconnais bien là votre sens aigu de la nuance. Ah, me voilà arrivé. Merci pour la course. À un de ces jours, Nancy. Edward? Il a vraiment écrit un bon livre? Un livre excellent. Excellent.
Allô ? Désolé de vous déranger chez vous, Edward, mais je tenais à vous remercier le plus vite possible. Sans vous, Edward, je serais passé à côté d'un manuscrit formidable. Il y a longtemps que j'ai pas lu quelque chose d'aussi bon. Je sais. C'est tout à fait étonnant qu'il ait écrit un roman pareil. Mais il l'a écrit, non ? Ça, c'est une vraie surprise. Vous le connaissez bien, c'est quel genre de bonhomme ? Quel genre de personnage, Nicolas ? Il y a une expression en vogue chez vous en France en ce moment qui lui convient parfaitement. Fabry est très grave. Vraiment très grave. En tout cas, je vous remercie, Edward. Je viens juste d'avoir votre protégé au téléphone. Au fait, bien joué avec Nancy. Elle a déjà téléphoné deux fois. Elle veut en savoir un peu plus sur le manuscrit de Fabry. Elle veut plus marcher. À votre service, Georges. Récamier vient de m'appeler. Il me prend. Il croit dur comme fer à mon livre. Rappelle-moi. Et merci, Edouard. C'est un des vôtres ? Non. Sa famille habite ici ? Plus personne ne vient le voir. Il y a de ça 2 ans, sa sœur venait encore régulièrement, mais je ne la vois plus. Elle a peut-être bien quitté Ipswich. Ou elle est... C'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Avec le temps, tous les morts sont orphelins. Edward Lam, vous êtes Margaret Brown ? Oui, c'est moi. Comme je vous l'ai dit au téléphone, j'envisage de publier une anthologie des auteurs anglais tués pendant la dernière guerre. Et je souhaiterais que vous m'aidiez à établir la biographie de votre frère Erwin. Merci. Le cavalier en E8. Mais non, si je fais ça, je suis mat en 3 coups, enfin. Non, c'était pour attirer votre attention. Édition Lansbury. Ça, c'était du travail. Très dur à trouver, vous savez. J'en cherche d'autres, je me suis laissé dire que... Très juste. En 41, pendant le Blitz, tout a brûlé. Les archives, les bouquins, et puis le boss, le vieux Alec Ramsey. Mais les capitaines doivent couler avec leur navire, n'est-ce pas? Vous savez, ça commence à valoir des sous. Combien? Ça fera bien un livre.
Au revoir. Le fou en E6. A Romance in Tunisia de Erwin Brown. Édition Lansbury, 1939 à Londres. Bonjour, Paul. Ah, Oliver, c'est justement ce qu'il me faut. Mettez ça sur mon compte, merci. Monsieur. Edward, quel plaisir. Ah. Dieu existe. Quelle sottise de prétendre le contraire. Ah, que serions-nous sans nos clubs? Des chevaux, peut-être. Alors, ouais. De quoi pourrions-nous parler? De tennis? De cricket? De politique étrangère. Oh. Édouard, quand même. Il y a tant de sujets passionnants. Savez-vous, John, que je suis horrifié à la seule idée que les relations entre le Yémen et un grand pays comme le nôtre se détériorent. Vous me faites très peur, mon vieux. Mais que voulez-vous y faire? Êtes-vous en train de me dire que vous êtes prêt à collaborer? Oh, Seigneur, je ne m'attendais pas à cette volte-face. Vous saviez que je n'allais pas résister. Disons que je l'espérais. De plus, mon manuel d'action psychologique m'a toujours dit qu'un joueur ne peut jamais refuser l'attrait du jeu. Alors comme ça, votre petite imprimerie de Croydon est encore en activité? C'est notre petite imprimerie, oui. Nous l'avons un peu modernisée, vous verrez. Il faut que ce soit très clair, John. Cela reste bien sûr entre vous et moi. Entre vous et moi? Oh, franchement, Edouard, pourquoi n'avons-nous rien fait pour annexer le Portugal? Nous aurions le Porto, la conduite à gauche, et toute l'Europe fulminerait contre nous. N'est-ce pas au fond ce que nous, les Anglais, nous avons toujours souhaité?
Allez, Georges, c'est prêt. Toujours le même. La même couleur, le même caractère. Et pourtant, il me paraît toujours différent. Fabienne. Oui, je sais. Remercie. Il faut remercier, Fabienne. Les jurés, les journalistes, les attachés de presse, les amis. Le Goncourt, Fabienne. C'est là que tout commence. Un de plus. C'est le troisième en 10 ans. Exactement le nombre d'enfants que j'aurais pu avoir. Félicitations, Nicolas. Vous tirez à combien ? On a remis 100 000 exemplaires dans le circuit. Au total, ça fera 200 000 exemplaires. On prépare un nouveau tirage. On est parti très fort. Combien ça me rapportera ? Vous pouvez prendre rendez-vous avec votre inspecteur des impôts. 3 millions ? Et pour vous ? La même chose. Pour les éditions Récamier. On peut faire plus ? Si vous êtes télégénique, radiophonique, médiatique, si vous plaisez aux femmes, sans déplaire aux hommes. Si vous êtes le copain des jeunes et l'ami des vieux, l'interlocuteur des minorités et le chouchou de la majorité. Bref, si vous êtes universel, Nicolas, oui, on peut vendre plus. Alors on fera plus. Tout Paris est au rendez-vous. Tiens, vous rêviez, Edouard ? Nancy, une jolie soirée, non ? Rien que des amis. Oui, il a enfin obtenu ce qu'il attendait. Vous croyez ? Mais Nicolas veut tout. Le Nobel, l'Académie, la canonisation. Regardez-le. Le pire de tout, c'est que son livre est merveilleux. Et je me demande comment il a fait. Un accident, peut-être. Un accident. Vous vous souvenez de son accident de voiture ? C'était un... Je ne sais plus. En tout cas, j'ai joué à l'infirmière pendant des mois. Il avait changé, il était plus... Comment dire ? Plus humain, tolérant. Mais dès qu'il a retrouvé toutes ses facultés, il est redevenu imbuvable. Tu es avec une femme, Edouard ? C'est incroyable. C'est beau le succès. C'est gentil d'être venu assister à mon triomphe, Nancy. Sans vouloir te décevoir, je suis surtout venue pour le petit four. Et pour voir de vieux amis. Et je ne suis pas un vieil ami. Mais tu n'as pas d'amis. Ah oui, c'est vrai. Tu as aimé mon livre ? Très réussi, c'est une belle histoire. Tu le diras ? Tu l'écriras ? C'est mon métier. Je ferai encadrer l'article. Très en beauté ce soir. On se retrouve après la fête ? Toujours aussi délicat. Mais je ne ferai pas deux fois la même erreur. Tu as tort. Je suis sûre que tu n'as jamais trouvé mieux. Tu bois trop, Nicolas. Méfie-toi. Un jour, il faut payer. Bon, le héros du jour se doit à ses admirateurs. Au fond, rien n'est plus dangereux qu'une ancienne maîtresse. As-tu jamais rêvé qu'une de tes anciennes conquêtes entrait dans ta chambre pendant ton sommeil ? Ça dépend pour quoi faire. Mais pour t'égorger, bien sûr, Nicolas. Édouard, je peux vous dire un mot ? Excuse-moi, veux-tu ? Décidément, la République des lettres est toute petite, mon cher. Comment allez-vous, Georges ? J'attends que ça passe. Sage philosophie. Le Goncourt marche bien ? Plutôt très bien. Mais comme vous m'avez dit, des graves. Mon Dieu. Je n'ai jamais vu ça. Il tient du faux, du marchand de tapis, du... C'est absolument n'importe quoi. J'en ai marre d'entendre toutes ces histoires. La petite Fabienne, tout ça, c'est des conneries. Mettez-vous bien ça dans la tête. Des discussions de salon. Pour écrire, il faut avoir vécu. Il faut avoir quelque chose à se reprocher. Moi, j'écris avec mes mains. J'écris comme on boxe. Et il faut taper, et taper fort. Oh, laisse-moi toi. Pour qui tu prends ? Thank you.
Nicolas Fabry, vous êtes entre autres l'auteur de L'envol des aigles et des saltimbanques. Mais avec Il faut aimer, votre dernier roman qui vient de recevoir le prix Goncourt, vous changez résolument de genre. Comme quoi un auteur peut en cacher un autre. Vos précédents romans étaient plutôt des romans d'action. Est-ce que ça veut dire que vous n'étiez pas encore prêt? C'était en quelque sorte des brouillons. Ce sont des livres qui se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Alors de deux choses l'une, ou bien les lecteurs de ces livres sont de parfaits abrutis, ou bien, éventualité que je n'ose envisager, c'est vous qui n'avez rien compris. Vous pensez avoir été victime des préjugés? Monsieur, le monde littéraire est gouverné par les préjugés. On condamne sans connaître, on juge avant de lire. Il faut savoir attendre son heure. Elle vient toujours quand on a du talent. Et vous en avez? J'ai surtout quelque chose à dire. Et j'ai du talent, puisque j'ai le Goncourt. J'attendais votre visite. Ah oui? Vous ne savez pas que j'allais venir. Je suis à vous tout de suite. Je me demande toujours ce que les Anglais trouvent au thé. Enfin. Jamais rien compris à l'imprimerie. Alors, où en sont nos petits trafics? Quelques problèmes techniques, mais ça avance bien. D'ici une semaine, je devrais pouvoir vous livrer mon travail. Le Foreign Office commence à s'impatienter. John, j'ai aussi une profession honorable. Et il faut bien que je lui consacre un peu de mon temps. Une semaine, vous dites? C'est bon, le Foreign Office attendra. Bien, je vous laisse poursuivre votre travail. Et merci pour le thé, Edward. Un problème, John? Une question, plutôt. Comment avez-vous fait pour le thé? Vous voulez vraiment le savoir? Tournez-vous. Comptez jusqu'à 5, John. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez vous retourner maintenant. C'est évident, vous ne me donnerez pas le truc. C'est évident. Dommage. Au revoir, Edward. Assurez-vous que ce n'est pas une bombe. En tout cas, ce n'est pas une bombe à retardement. C'est le plus beau bibi que j'ai jamais vu de ma vie. La reine a porté le même au dernier derby. Oh, j'ai bien l'intention de vous embrasser. Alors, c'est en quel honneur? 20 ans de collaboration, jour pour jour. Vous aviez oublié? Je vous plais? Vous êtes irrésistible. Je repars pour quelques jours dès ce soir. Voilà où vous pourrez me joindre. La Tunisie, encore? Un cheval. Voulez-vous réserver une table pour deux, pour 13 heures? Ensuite, majorer votre salaire de... Mais c'est presque... Je sais, c'est scandaleux, oui, mais c'est comme ça. On aurait pu avoir des enfants ensemble et puis divorcer, ce qui m'aurait coûté finalement beaucoup plus cher.
Entrez. Les gens comme vous descendent habituellement dans ce genre d'hôtel, alors j'ai demandé qu'on me prévienne. J'adore les romans d'espionnage. Eh bien, pas moi. Mettons les choses au point. Bien que j'ai du mal à l'admettre, j'ai 50 ans. Et moi, j'ai 23 ans. Ça tombe bien, non? Ce n'est pas raisonnable, Farida. Vous n'avez rien à attendre de moi. Raisonnable? C'est un mot qui ne me dit rien du tout. C'est intéressant. Vous imprimez des livres clandestins, porno? J'ignore si on vous l'a déjà dit avant, mais vous êtes une emmerdeuse. Ça va. Alors, parlons affaires. Pas maintenant. J'ai un rendez-vous. Bien, d'accord. Invitez-moi à dîner. Très bien. Je connais un endroit qui vous plaira. Voulez-vous savoir de plus? Mes mensurations? 90. 60, 90. Pas mal, non? Tenez-vous comme il faut, ou bien je vous ramène. Je sais tout de vous. J'ai tout lu. Vos lettres, vos poèmes, vos articles, votre roman. J'ai même pensé l'envoyer à un éditeur. Et j'avoue que j'y pense encore. Ça ne vous regarde pas. Pardon. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Mais être publié ou écrire, c'est revenir sur une décision que j'ai prise il y a 30 ans. Et vous savez pourquoi. Vous ne trouvez pas qu'on fait un beau couple? Et ne croyez pas que je sois une idiote romantique, pas du tout. J'ai un diplôme d'ingénieur. Je conduis ma voiture et j'ai connu d'autres hommes. Bonsoir, madame. Merci. Je vais me rafraîchir un peu et nous reprendrons cette conversation. De la part du monsieur qui vient de partir. Tu m'aimeras, tu entends? Tu m'aimeras. Cher Edward, je te prie de m'excuser pour cette lamentable affaire de la soirée du Goncourt. J'étais ivre, c'est ma seule excuse. J'espère que tu m'as pardonné. Bien à toi, Nicolas. Thank you.
Edward, c'est Georges Récamier. Pouvez-vous me rappeler au plus vite? Je voudrais vous parler des droits du livre de Nicolas pour l'Angleterre. Je l'attends d'une minute à l'autre. Il ne me parle que de ça, d'argent. Je finis par croire que ce n'est pas un cadeau que m'avait fait la amitié quand même. Justement, si on parlait d'argent. Argent, vous savez bien. Ce qui sert à nourrir aussi bien les poètes que les bougnats. Vous voulez combien? Le maximum. Vous commencez à m'énerver, Nicolas, fortement. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'agresser le monde. Je vous parle en grippe, et une grippe carabinée. Prenez donc un cachou, soignez votre grippe et signez-moi un chèque. Je vais vous dire une chose, Georges. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai poireauté pendant des heures, des semaines, dans les couloirs des éditeurs. Je n'existais pas. Et puis, voilà qu'aujourd'hui, c'est moi qui mène la danse. Il faudra vous y faire. Vous n'avez tout de même pas imaginé que je pouvais devenir votre mécène, non? Isaac, ça va? D'accord. Il y en aura d'autres? Non, c'est fini. Il faudra voir la suite avec mes héritiers. Au revoir. Savez-vous pourquoi les chevaux hennissent? Non. Moi non plus, je n'en sais rien. Dites-moi, Edward, vous arrive-t-il de gagner? Ne soyez pas si vulgaire, John. Je ne joue que pour le plaisir. Mais il m'est parfois arrivé de gagner. Et j'ai honte de l'avouer, mais ça m'a plu. Edward, j'ai perdu 10 livres aujourd'hui. Ça commence toujours de cette façon, hélas. Et ça finit comment? Mal. Très mal. Ça fait plaisir. Alors, quoi de neuf? Doris est enceinte. Votre ami Nicolas Favry fait don de ses droits d'auteur à l'armée du salut. Le papier est un peu tardif. Je n'ai pas pu trouver exactement ce que je voulais. Mais je défie quiconque de s'en rendre compte. À part vous. Incroyable. Le colonel Lawrence peut reposer en paix. Vous êtes un faussaire génial, Edward. Oui, je sais. Personne ne doit savoir. Nous sommes bien d'accord. C'est juste entre vous et moi. Vous avez les clés de la boutique? Merci. J'ai décidé de tousser avant de fumer. Mon psy dit que c'est en rapport avec ma mère. Si Freud n'avait pas existé, franchement, Edward, on s'ennuierait beaucoup le week-end. À l'intention de Nancy Pickford. L'estime que je vous porte, le sérieux de vos critiques littéraires font de vous la seule personne. La seule personne. Veuillez assister en direct à la fin de Nicolas Favry. La seule personne à qui je puisse faire partager ma stupéfaction à la lecture de « Il faut aimer » de Nicolas Favry pris Goncourt. J'ai en effet noté une ressemblance plus que troublante entre ce roman et « A Romance in Tunisia » publié par
Owen Brown, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. La concordance entre certains passages des deux romans est telle qu'elle ne peut être le fruit du hasard, mais bien au contraire... la preuve d'un plagiat outrageant. Ce roman était joint à la lettre. Écoutez plutôt. Vous en faites une tête, Fabienne. C'est la tuile, Georges. Une sacrée tuile. Nicolas, Romance in Tunisia, ça vous dit quelque chose? Nancy Pickford vous accuse d'avoir plagié ce livre. Mais c'est complètement idiot. Elle vient de me faxer son article. Il paraîtra après-demain à Londres. Donc vous savez comment elle l'a titré? A book or a crook? Traduction française, arnaque au Goncourt. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle vous accuse d'avoir plagié le roman d'un auteur anglais d'avant-guerre. Romance in Tunisia, d'un certain Erwin Brown. Mais elle est folle. Elle est complètement folle. Nicolas, avant de réagir, il faut que je sois sûr. Ne posez pas cette question. Vous m'entendez? C'est moi qui ai écrit mon livre. N'en déplaise à Nancy Pickford. Moi et moi seul. C'est la première fois que les éditions Récamier sont confrontées à ce genre d'affaires. Je regrette d'ores et déjà de vous avoir publié. Sachez que la Pickford ne fait rien à la légère. Pas la peine de nous raccompagner. Salope. Erwin Brown, A Romance in Tunisia. Quelle affaire! J'irai à la British Library. Théoriquement, il devrait avoir sa fiche. Erwin Brown, jamais entendu parler de lui. Vous allez commencer à chercher les ayants droit. Ou les éventuels héritiers. Moi, je file à Paris. C'est moche. Vraiment moche. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous allons entrer dans le tunnel sous la Manche. La durée de la traversée est d'environ 20 minutes. Merci d'être venu, Edward. C'est un coup monté par Nancy. Une vraie saloperie. Je me tue à écrire ce livre. Ça ne sert à rien de parler tout le temps de la même chose. Nicolas, il faut prendre une décision. Étouffer ce scandale avant que nous soyons tous éclaboussés. J'ai chargé ma secrétaire de faire des recherches. Est-ce que je peux appeler de ton bureau? Ah oui, bien sûr. J'en ai pour une minute. Allô? Doris. À mon sens, il faut porter plainte, Nicolas. C'est le seul moyen d'obtenir une expertise sur ce supposé roman. Sur ce supposé... Erwin Brown. Mais bon, tu as arrêté, il n'existe pas. Il est tout droit sorti du délire de Nancy Pickford. Je viens d'avoir Doris. Elle est allée consulter les fichiers de la British Library. Erwin Brown existe bien. Ou plutôt, il a bien existé car il est mort... En 1940, il repose à Ipswich, d'après Doris. Mais si Erwin Brown est répertorié à la British Library, ses livres aussi, obligatoirement. Tout à fait. Apparemment, Erwin Brown n'a publié qu'une seule nouvelle, Cry Over Me, publiée en 1938. Tout livre devant figure au dépôt légal, nous sommes sûrs de notre affaire.
tenait compte du fait que c'était la guerre. Et peut-être que l'éditeur n'a pas pu l'inscrire au catalogue. Savez-vous qui a publié ce livre? C'est les éditions Lansbury à Londres. Je n'en sais pas plus. On en revient à ma proposition. Il faut porter plainte en diffamation contre Nancy Pickford et son journal. C'est la seule façon d'obtenir une expertise de ce livre. Il n'y a pas d'autre solution. Si on entame une procédure dès aujourd'hui, il faut combien de temps pour obtenir un procès? Pour un référé, 3-4 jours maximum. Alors allez-y, lancez la machine. Parce que moi, je veux savoir. On m'accuse d'avoir plagié un livre que je ne connais pas et dont personne ici n'a entendu parler. C'est absurde. Si ce livre existe, on doit le trouver. Et si moi, je ne le trouve pas, alors c'est qu'il n'existe pas. J'aimerais parler à Edward Lamb, Sir Edward Lamb. Vous aimez les chevaux? Oui, j'aime bien les talons noirs. Il est magnifique. Et vous êtes venu me demander en mariage? Peut-être. Une jeune fille qui aime les chevaux ne peut pas être complètement mauvaise. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec le matériel dans votre chambre. Vous pouvez pas faire ça, Edouard. Je veux l'empêcher d'écrire. Je veux la venger. Mais elle est morte. Farida est morte il y a 30 ans. Et il faut pardonner? Mais personne ne vous demande de pardonner. Mais d'oublier. Si vous détruisez Nicolas, vous ne pourrez plus jamais écrire une ligne. Je me suis reproché sa mort pendant 30 ans chaque jour. C'est fini, Edouard. Oubliez, oubliez. Si vous détruisez Nicolas, vous perdrez tout. Tout. Laissez-le étouffer sous ses remords. Parce que tu crois qu'il en a? C'est un piège infernal, diabolique. Il y a des pages entières de mon roman, presque mot pour mot, c'est incroyable. Tu as trouvé le roman de Brown? J'ai retrouvé sa sœur. Elle avait un exemplaire du soi-disant bouquin. Et alors? Elle jure que son frère a publié ce livre avant la guerre. J'ai l'impression d'être fou. Je n'arrive pas à comprendre comment Nancy a pu monter cette affaire. As-tu essayé de lui parler? Lui parler? J'ai plutôt envie de la tuer, oui. Tu l'as lu? Nancy m'a envoyé une photocopie. Et alors? C'est accablant. Pour toi. C'est ma peau qui est en jeu! Si jamais Nancy arrive à ses fins,
Et si ce faux passe pour l'original, je suis foutu, moi. Plus jamais aucun éditeur ne voudra me publier. Et m'empêcher d'écrire, c'est me tuer. Je sais ce que tu ressens. Il n'y a que toi qui saches que je suis l'unique auteur de cette histoire. Malheureusement, mon témoignage ne prouve rien. Le roman de Brown est antérieur au tien, ce qui nous oblige à prouver que c'est son livre qui est un faux. Mais enfin, il y a peut-être un moyen de démontrer que tu n'as pas plagié Romance in Tunisia. Il y a une différence fondamentale entre vos deux romans. Dans ton roman, la jeune fille tunisienne est amoureuse du héros. Dans celui de Brown, il la viole. Ah, mais c'est là que la machination est vertigineuse. Parce que personne ne pouvait connaître cet épisode de ma vie. Personne. Cette fille m'était inconnue. Et j'étais un inconnu pour elle. Nous venions de nous rencontrer. Oui, c'est ça. Je l'ai violée. C'est ça, la vérité. Tu réalises ce que tu dis. J'avais bu. Nous étions sur la plage. Elle m'a frappé. C'est pas ce qui m'a pris. Et tu le regrettes? Non. Non, parce que je n'aurais jamais écrit mon livre. Bonjour, Nancy. Merci de m'accorder ces quelques minutes. Non, c'est plutôt à moi de me faire pardonner ce rendez-vous insolite. Mais on repeint mon bureau et c'est... L'enfer. Je connais. J'ai apporté un petit encas. Dès que j'ai une minute à moi, je viens dans ce parc. Mon père adorait cet endroit. Nancy, il faut que je vous dise. Moi, je suis convaincue de l'innocence de Nicolas. Vous avez lu la photocopie du livre de Win Brown. Alors comment pouvez-vous parler d'innocence, Edward? C'est un plagiat, il a pillé son livre. Il n'a pas eu de chance, voilà tout. Il s'est fait coincer. Cette fois, il faut qu'il paie. Il n'a que ce qu'il mérite. Je n'ai moi non plus aucun doute sur le plagiat. Il est partout. Mais j'insiste sur son innocence. J'en suis persuadé. Nicolas n'est pas responsable dans cette affaire. Qui alors? C'est son accident. Son accident, c'est une réponse? Rappelez-vous, Nancy. On attend beaucoup de monde au palais de justice, car c'est aujourd'hui que doit être tirée au clair l'affaire du faux Goncourt. Cette histoire sans précédent fait toujours bien sûr les grands titres de la presse. Quant aux éditions Récamier et à Nicolas Fabry, ils campent sur leur position. Ils crient toujours au coup monté. Pour eux, le roman d'Erwin Brown est un faux. Je m'appelle Peter Hollington. Je suis président de l'Association britannique de bibliophilie. Et je suis agréé auprès des tribunaux de sa très gracieuse majesté pour les affaires d'édition. Pouvez-vous nous donner vos conclusions sur l'affaire qui nous occupe aujourd'hui? J'ai étudié de très près le livre que m'a fait parvenir Miss Pickford. Je peux assurer que le papier, l'encre, les colles, les fils et le tissu qui ont servi à la fabrication de ce livre sont parfaitement authentiques. Ce livre a été composé sur une linotype de la marque Harris Intertype. Les caractères Dido qui ont été utilisés sont ceux qui étaient les plus fréquemment employés dans l'édition anglaise avant 1939. J'ajoute
que le livre a été très superficiellement brûlé, qu'il a été abondamment mouillé. John. Ce qui laisse penser qu'il faisait partie de ces rares livres qui ont échappé à l'incendie qui a détruit les éditions Lansbury en 1941. Il y avait une belle course à Longchamp. Ce procès en faux est extrêmement intéressant. Voici des nouvelles de votre travail. Un document exceptionnel de Laurence d'Arabie exposé à Londres. Par sécurité, j'ai fait étudier le livre d'Erwin Brown par le service des faux de Scotland Yard. Oui, le rapport des experts de la police britannique est effectivement formel. Mais ce n'est pas tout. Pas de problème, Edward. C'est juste entre vous et moi, n'est-ce pas? Bien, je vais repartir à Longchamp. God save the Queen. Cette affaire étant exceptionnelle, j'ai fait passer une annonce dans la revue mensuelle de l'Association britannique de bibliophilie pour tenter de retrouver d'autres exemplaires du roman de Mr. Brown. Avec quel résultat? Deux bouquinistes étaient en possession d'un exemplaire. Ils me les ont fait parvenir. Je les ai apportés à toutes fins utiles. L'analyse confirme qu'ils sont en tout point identiques à l'exemplaire remis par Miss Pickford. Tout ça, c'est de la foutaise! Je le sais bien, moi, que j'ai écrit ce livre tout seul! C'est un coup monté! Mais je vous le prouverai que je suis le seul auteur de ce livre. Vous m'entendez? Le seul! Je vous en prie, Monsieur Fabry. Monsieur le Président, après enquête, je voudrais vous fournir des témoignages et des documents médicaux qui offrent, selon nous, une alternative à la thèse du plagiat. Allez-y, maître. Nous vous écoutons. J'appelle à la barre Mademoiselle Pickford. Mademoiselle Pickford, Nicolas Fabry a-t-il été victime d'un grave accident de la route? Oui, il y a de cela 11 ans. Il est resté 10 jours dans le coma. Vous avez suivi sa convalescence? C'est exact. Pardonnez-moi cette question, mais... quels étaient vos liens avec Nicolas Fabry à cette époque? Bien que cet aveu me soit pénible, je vivais avec lui. Ou plus exactement, il est venu vivre chez moi à Londres. Et de quel mot Monsieur Fabry souffrait-il? De cryptomnésie, c'était le diagnostic des médecins. Mais attendez, de quel droit étale-t-on mes bulletins de santé? Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous jouez à quoi? Monsieur Fabry, s'il vous plaît. J'ai demandé à un spécialiste, le docteur Bloch, de venir nous donner des explications sur la cryptomnésie. C'est une maladie qui affecte la mémoire. C'est une amnésie relative. Je veux dire par là qu'elle est circonscrite à quelques heures seulement, parfois quelques jours, plus rarement quelques semaines. Dans cette pathologie que nous connaissons bien, le malade oublie définitivement tout ce qu'il a fait. Mais cela reste inscrit dans son subconscient. Si j'ai bien compris, docteur, M. Fabry aurait pu lire le roman d'Erwin Brown. Sa cryptomnésie lui aurait fait oublier cette lecture et elle serait restée enregistrée jusqu'au moindre mot dans son subconscient. Et alors, quelques années plus tard, croyant écrire son propre roman, il n'aurait fait que réécrire celui d'Erwin Brown. C'est bien ça. C'est médicalement possible, Monsieur le Président, il y a des précédents. Attendez, mais c'est complètement fou, ça! Vous êtes fou! C'est vous qui êtes fou! C'est une conspiration monstrueuse pour m'empêcher d'écrire! Pour me détruire! À chaque ligne que j'écrirai, je devrais me demander si je ne suis pas en train de recopier le livre d'un autre, à mon insu. Et ce manuscrit, qu'est-ce que c'est? Oh, ça suffit, Monsieur Fabry. Je vous remercie, Docteur Bloch. Pour passionnant qu'est ce débat, il n'en demeure pas moins que cette cour n'est pas compétente en cette matière. Ceci regarde les héritiers d'Erwin Brown. L'affaire est close. L'audience est levée. Toi, au moins. Tu me crois? Oui. Moi, je te crois.
Bonjour, votre mademoiselle. Merci. Hein? Je vous en prie, allez-y, monsieur. Merci. Édouard, c'est Georges Récamier. J'ai une très mauvaise nouvelle. Nicolas s'est suicidé. On l'a retrouvé dans son bureau. J'attends votre appel.